Donc bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une petite vidéo fleurs depuis le temps que je vous l'avais dit. Donc on va réaliser ces fleurs-là. Donc c'est des sortes de poinsettias ou voilà un peu ce qu'on veut, marguerite ou je ne sais pas comment dire. Donc j'ai fait déjà ces deux-là. Je sais que l'année dernière j'en avais réalisé et que j'avais fait avec un gabarit en fait que j'avais trouvé sur internet. Et là, bah, je l'ai fait. Je les trouve tout aussi jolies comme ça en fait. Avoir un aspect totalement différent de celle-ci. Et celle-là, bah, je vais vous montrer comment on les réalise. Donc d'abord, hein, on prend du papier. Donc j'ai pris une chute de papier, c'est du papier d'imprimante, hein, tout simple. Je me prends un triangle de la grandeur que je souhaite. Hop. Je vais peut-être pas faire trop trop grand non plus. On va faire comme ça. Voilà. Donc là, ce sera. Donc là, pour faire celle-ci, j'ai une base et après j'ai 1, 2, 3 et 4 fleurs. Donc là, on va dire que c'est ma dernière fleur, comme ceci. Et ma base, j'ai envie de la faire de ce vert-là. Donc je vais la faire un peu plus grande. Vous voyez, hop, je fais un peu plus grand et ensuite je fais un peu plus petit pour les autres. Donc j'ai juste à couper comme ça. À chaque fois, ça me fait un carré. Là, un carré. Et donc ensuite, je fais encore un peu plus petit. Hop. Et ainsi de suite. En fait, j'ai déjà fait les autres gabarits, je vous montrerai après. Je vais montrer sur le blanc. Donc, on est comme ça. Donc, on a plié notre carré en deux. On le replie encore une autre fois. Essayer de se mettre voilà. Bien aligné. Ici, bien aligné. C'est pas grave si en haut, on n'est pas bien aligné. Je replie encore une autre fois. Il faut quand même être bien aligné. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Voilà. Et donc là, hop, j'ai mon crayon pour vous montrer. On va découper. Donc, attendez, je vais zoomer, ce sera plus facile que d'être en l'air. Donc là, en fait. Je vais couper comme si je faisais un petit arrondi là. Comme si je faisais un arrondi ici. Et que là, je faisais comme ça. Et là, on va faire. Attendez, je suis plus à l'aise comme ça. On va faire comme ça. On va revenir. Ça fait à peu près une forme comme ça. Je vous montre. Ça fait, on arrondit. On fait comme ceci. Je reprends la pointe. Je refais ma forme un peu comme ceci. Et je reviens arrondi assez bas. Si on n'est pas assez bas là, hop, on se remet dans l'autre sens et on refait un arrondi. Vous montrerai une deuxième fois. Donc là, quand on déplie, on se retrouve avec ceci. Déjà, rien que comme ça, je trouve ça super joli. Je vous remontre une deuxième fois. On plie. On plie une deuxième fois comme ceci. On replie. Une autre fois comme ceci. Là, c'est du papier un peu plus dur, donc. Mais ça marche pareil. Donc, on va faire un arrondi comme ça. Je vous le fais, puis. Qu'est-ce que j'arrive jamais à le faire avec le ciseau. En fin de compte. Voilà, ça fait comme ça en fait. Ça fait cette forme-là. Donc on coupe, on fait
arrondi comme dans ce sens-là. On fait un arrondi dans l'autre sens. On reprend de la pointe un arrondi vers l'intérieur et on redescend un arrondi. Là, le cul. Vous voyez là, attendez. Là, mon papier, il n'est pas aligné. Donc, je sais que quand je vais le défaire, ça fait ça. Mais ici, j'ai pas bien ma pétale. Au pire, vous laissez comme ça. Et hop, vous refaites votre pétale. Là où ça a été mal fait. Hop. Voilà. Donc là, hop, on va pousser ça. J'ai mes bases. Ensuite, moi, ce que je fais pour leur donner un peu une forme un peu plus 3D, je vais juste rassembler mes pointes, ma pointe comme ça. Juste tout simplement. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Je rassemble mes pointes. Hop, là aussi d'ailleurs. Vous voyez là, j'avais pas dû couper assez loin mon papier, je refais juste ma pétale et j'appuie sur mes pointes. Donc ça me fait ceci. Et je fais pareil. Ma base, je vais vraiment faire plus que la pointe. Hop. Voilà. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quel papier, hein. Voilà. Et ensuite, donc moi j'ai fait, comme je vous ai dit, plusieurs formats. Et ensuite, on va juste venir les assembler les uns dans les autres. Donc tout simplement, un point de colle au milieu. Donc on essaye de se mettre en quinconce. Voilà, et on fait de la plus grande à la plus petite. Hop, celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. On aurait mérité une, je pense, une de plus, une intermédiaire de.